Bonsoir à tous et voici les titres de ce journal. La Mauricienne Jane Constance décroche son LLB dans une université britannique. Elle est la première étudiante internationale non-voyante à avoir accompli un tel exploit. Je suis très fière, dit-elle. PNQ sur le film Rebate Scheme Stop Bullying Me lance plusieurs fois Duval à Fokir. Le leader de l'opposition réclame un audit indépendant pour déterminer si les dépenses faites sous ce programme valent le coup. Le député du Parti travailliste Osman Mahomed expulsé et nommé par le speaker, c'est la deuxième fois en deux semaines. Vague de solidarité à Yogita Baburama après son licenciement des Mauritius, un front commun des syndicats voit le jour. L'ASP à Chikjaga est contre-attaque, il réclame des dommages de 50 millions de roupies à Sanjeev Tilokdari et ses proches après les allégations de ces derniers sur la perquisition faite au domicile des beaux-parents de l'avocat. Et pendant ce temps, Maître Tilokdari a déposé une precautionary measure après avoir remarqué la présence de policiers à proximité de son domicile. Motion de blâme contre le président du conseil de district de Savannes ce vendredi. C'est un mauvais politique, je ne vais pas me laisser faire, affirme Ravin Jagarnath. Et à l'étranger, au moins 66 morts dans le nord de l'Inde suite aux intenses pluies de la mousson. Notre compatriote Jane Constance est la candidate non-voyante dans une université britannique a réussi avec brio ses examens de LLB. Elle a exprimé sa joie et sa fierté au micro de Top FM. Elle remercie ses parents d'avoir toujours cru en elle et de l'avoir laissé poursuivre ses études en Angleterre. Jane Constance souligne qu'elle démarrera son Master's en Human Resource Management début septembre. Des propos recueillis par Stéphane Douce. Fier. Beaucoup de travail, persévérance, détermination, parce que les études de droit ne sont pas évidentes. Et moi, je suis non-voyante, donc je travaille différemment. Je travaille en braille. Et l'université a mis toutes les facilités à ma disposition. Ils m'ont aidée, ils m'ont soutenue aussi. J'étais la seule aveugle international student étrangère. Bien passée, fière de ce que j'ai accompli. Ben, mes parents sont très fiers de moi. Ils ont été à ma remise de diplôme hier. Bien sûr, ils sont très fiers de moi. Merci de m'avoir soutenu, d'avoir cru en moi et de m'avoir aidé à réaliser mes rêves. Parce que je ne vois pas, ils ont beaucoup hésité à me laisser en Angleterre seule pour faire mes études. Mais ils ont cru en moi, ils ont cru en mes capacités de réussir à me débrouiller sans la vue. Grâce à l'université, j'ai réussi. Et voilà, je suis contente d'avoir des parents exceptionnels. En septembre, je commence mon master's en Human Resource Management. Pourquoi Human Resource Management? C'est pour avoir plus de chances d'être employable. Tony Constance, le père de Jane, explique que son épouse et lui sont fiers de leur fille. Il ajoute que la persévérance a payé. Il remercie l'université l'université d'avoir fait tout pour faciliter la tâche de Jane. Bien sûr, ce mot fierté revient toujours en premier. Fier, content. C'était pas parcours facile, mais avec beaucoup de persévérance. Le résultat est là. Et même en Angleterre, c'était pas aussi facile. On a dû voir avec l'université pour pouvoir ajuster tout ce qu'il y a ajusté par rapport à les applications qui ne sont pas toujours accessibles. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Souvent, du même oublier, souvent on compare Jane avec les enfants dites normaux, entre guillemets. Jane fait ses études en braille, alors que les autres, nous faisons, c'est en texte, c'est en Word, c'est beaucoup plus facile. Bien souvent, les applications ne sont pas accessibles, mais heureusement que l'université a tout fait pour rendre la tâche de Jane vraiment facile, on peut le dire.
Direction le Parlement, la PNQ de ce jeudi était axée sur le Film Rebate Scheme. Le leader de l'opposition réclame un audit indépendant pour déterminer si les dépenses valent le coup. Le docteur Rengganaden Padayachi était en mission. C'est encore une fois son collègue Sunil Bola qui a répondu à la Private Notice Question. Cette fois, le ministre suppléant a pris le soin de préciser que le leader de l'opposition était au courant que le grand argentier n'était pas au pays et qu'il ne faisait que répondre sur la base des informations qui lui ont été fournies. Cela n'a pas empêché Xavier-Luc Duval de lui faire du rentre-dedans. Michael Jean-Louis, Namrata Dilchand. Dans sa réponse liminaire, Sunil Bola a rappelé que c'est Xavier-Luc Duval qui avait introduit le Film Rebate Scheme en 2013 et que le premier film qui en a bénéficié n'est jamais sorti. Il a souligné que depuis janvier 2016, 107 films ont bénéficié du Film Rebate Scheme et que 1,1 milliard de roupies ont été dépensés. In fact, the very first film that was approved under the Film Rebate Scheme in 2013, namely Southern 2, was never released and for which rebate was paid. Mr. Speaker, sir, allow me to remind the Honourable Leader of Opposition that he personally attended the clapping ceremony on the 29th August 2013 at Tushrock Hotel. Let me quote extract of his speech on that day. Order. This project offers good visibility in Mauritius on the world map. It also offers professional opening to many young Mauritians who wish to engage in this way. End of quote. Mr. Speaker, sir, the film could not attract distributors in India as it was of limited commercial potential and as a consequence was never released while public funds have been wasted. Il a aussi expliqué que c'est Nanda Narayanan de l'Economic Development Board qui préside le Film Rebate Committee chargé d'étudier les réclamations soumises par les producteurs. L'instance comprend des représentants de divers ministères ainsi que Sachin Jutan. I am informed by the Economic Development Board that the Film Rebate Committee, in line with the Economic Development Board, Film Rebate Scheme Regulations 2018, the composition is, with your permission, Mr. Speaker, sir, as follows. One, Mr. Nanda Narayanan, representative of the Economic Development Board and chairperson of the committee. Two, Mrs. Sangeeta Bisundial, representative of the Prime Minister's Office. Three, Ms. Hema Chulai, representative of the Ministry of Finance, Economic Planning and Development. Four, Ms. Annabelle Arekion, representative of the Ministry of Arts and Culture. Five, Mr. Sachin Jutan, representative of the Mauritius Film Development Corporation, and six, Mr. Savin Tiha, representative of the Mauritius Tourism Promotion Authority. Une des questions supplémentaires de Xavier-Luc Duval est si les membres de ce comité ont l'expérience voulue pour voir si les réclamations ne sont pas grossies volontairement. Il a aussi évoqué les films Serenity et Prisoner of Paradise qui ont été des flops selon lui. Not 2 million, but you are talking about, I think, this was money. 150 million for Prisoners of Paradise. Now, I don't want to go into that unless you want to go into that type of debate today. I can go into that type of debate today. But if you take Prisoners of Paradise, it was shot here 4 years ago. Now, you entered into this debate, this type of debate, not me. Eh? It was shot here 4 years ago. 4 years ago. I don't know if the actors are still alive. But do you think it is normal for a film where the government has spent, the taxpayer has spent 150 million rupees, not to have been released 4 years after? Le leader de l'opposition a à plusieurs reprises demandé au ministre Bola comment les autorités peuvent déterminer si les dépenses faites sous ce programme sont justifiées si elles ne s'intéressent pas aux recettes générées au box-office. Il a même laissé entendre que beaucoup de films qui ont bénéficié du Film Rebate Scheme sont des flops. Le ministre Bola a vivement réagi. My question is now this. Given that we never check revenue generated from the films. You have said so yourself. We never know whether any of the money, the 1.1 milliard rupees that we have invested, the EDB doesn't know whether or not it is successful. And that is the first question. How are we going to better monitor the 1.1 billion rupees that has been spent?
1.1 billion rupees, as the honourable leader is honourable leader of opposition is mentioning, is only a percentage of the whole amount that has been spent in Mauritius. Yes. According to the rate applicable at that time, either it is 30% or 40%. Now, assessment is carried out before money is paid. This is the case since 2013. This is what I'm informed about. Toutefois, la séance a été marquée par de virulents échanges entre le leader de l'opposition et le speaker. À plusieurs reprises, Xavier Luc Duval a lancé "Stop bullying me" à l'égard du speaker. Question. And this, wait a minute. Yes, question. No, I'm going to ask in a minute. Stop this thing. Stop bullying me. Stop bullying me. Let me ask my question. Put your question. Stop bullying me. Put your question. Have some respect. Put your question. I'm going to put my question. Self incapable of telling me which films are or not. Leader of the opposition, withdraw that word. Leader of the opposition, no reply. You remove that word. Which word? Incapable or whatever. You are unable. All right. Are you happy with unable? Incapable? No. Unable? Yes. Okay. This is now New English Dictionary. Tell me now. Whatever, but these are words which are... Whatever. Unable and incapable. You should stop being arrogant. You are talking. This is you parliament. Don't try to and bully me. Many you don't try. Don't you go and bully somebody else. Don't bully me. Don't bully me. Don't bully me. Not because you have the right. The you don't question. Have a right. Bully me. Don't bully me. I don't know what you have under your seats. Don't bully me. Xavier Luc Duval a à la fin de la séance demandé qu'un audit indépendant soit effectué car selon lui, il nous faut apprendre de nos erreurs. En l'espace de 2 semaines, le député Ousmane Mohamed expulsé et named pour la 2e fois, le Parlement rouge a souhaité soulever un point de droit après l'intervention du ministre Stéphane Toussaint sur le Status of the Artist Bill. Toutefois, le speaker l'a stoppé. Ousmane Mohamed a alors insisté. C'est là qu'il a été expulsé du Parlement. Toutefois, il a refusé de quitter la chambre. Sourjdeh Fokir l'a alors named. He said that as a clown, he is proud not to have allocated housing units to minors, therefore alluding to me when I was managing director of the NSDC. This is not true. I'm turning to you to ask you to ask the minister to withdraw this. Where is the offense in that? Where is the offense? It's rebutting. You don't know what is the difference between rebutting and an offense? I rule there is no offense. So, minister, you start your speech. I have already ruled. Thank you. Thank you, Mr. Speaker, sir. Mind your language. You apologize saying I am wrong, you apologize or you withdraw from the chamber. I want to understand from you, he's reporting to what? I am asking you, you apologize for that bit saying I am wrong. He said something to me. I am asking, the last time I'm asking you, or you walk out. Will you withdraw the word I am wrong? Okay, I apologize for that? I apologize. Thank you. But and I want you to ask him to remove this. I have no debate to entertain. Minister, you start your speech. Thank you, Mr. Speaker, sir. No. Now, I am naming you. I'm naming you. Please withdraw from the chamber. Sergeant at arms. Ladies and gentlemen, continue. Et pour rappel, le 27 juin dernier, le député avait été expulsé et named. Il avait alors écopé d'une séance de suspension. C'est mardi dernier, soit le 11 juillet dernier, qu'il a fait son retour au Parlement. Ousmane Mohamed sera de nouveau suspendu après la séance du jour. Mobilisation syndicale en front commun créée pour lutter contre le licenciement de Yogita Babu. Une rencontre sera sollicitée avec le Premier ministre, le limogeage de la présidente de l'Air Cabin Crew Association, jugée injuste, continue de faire polémique. Ce jeudi, il a eu une forte mobilisation des dirigeants syndicaux à Maurice pour dénoncer la répression qui s'abat sur des représentants des travailleurs. Un front commun a été constitué afin d'entamer des actions menant à la réintégration de Yogita Babu.
Radhakrishna Sadien, président de la Government Services Employees Association, est catégorique. Le licenciement de Yogita Babu enfreint l'Employment Relations Act, le front commun, dit-il, sollicitera une rencontre avec le Premier ministre. Prenant en considération la gravité de la situation à Maurice, surtout en termes de relations industrielles, et puisque M. Rousseff fait une osée viol Employment Relations Act, et puisque aussi la démarche de M. Rousseff est considérée comme un cas flagrant de violation droit à un travailleur et droit aussi humain. Toute bonne fédération du pays et jeunes ensemble et beaucoup de nos fédérations qui sont avec nous aujourd'hui, nous venons GWVF, FPBEU, SEF, MLF, CTSP, nous venons CS et Solidarité et nous venons aussi CITU qui est avec nous avec bonne organisation syndicale qui est affiliée dans nos fédérations respectives pour apporter nos soutiens indéfectibles au président du syndicat, M. Babu. Ashok Soubron de la General Workers Federation est d'avis qu'il y a eu double violation des droits de Yogita Babu Rama, d'abord en tant que syndicaliste, mais aussi au niveau de sa liberté d'expression. Ce qui Yogita peut subir, c'est une double violation. Il peut subir violation du droit syndical, mais non seulement du droit syndical, mais une violation de ce droit à liberté d'expression. Okay. Il y a une double violation de ce droit constitutionnel qui est bafoué. La bataille n'est pas gagnée d'avance, insiste Narendranath Gopi, président de la Federation of Civil Service and Other Unions. Il demande la mobilisation de tous contre le licenciement de Yogita Babu Rama. La bataille est bien difficile, laisse-moi dire, elle est claire. De toute façon, nous, la loi était là. La bataille pour réintégrer Madame Babu est bien difficile. Donc, il faut bien une mobilisation monstre qui nous faut bien faire. Pour nous capables de mettre pression, pour capables de renverser sa papier-là, ou sinon, oublier tout syndicaliste pour passeport. Ça. Pour rappel, lors d'une émission sur Top FM, la présidente de l'AMCA avait émis plusieurs critiques à l'égard de la direction d'Air Mauritius. Elle avait été sommée de s'expliquer devant un comité disciplinaire, mais elle a refusé, d'où son licenciement lundi. Il leur a fait servir une mise en demeure. L'ASP Jagai réclame des dommages à Sanjeev Tilakdari, son épouse Namrata et sa belle-mère. L'ASP Ashik Jagai reproche à l'avocat, son épouse et sa belle-mère, à Emlata Gaya, d'avoir terni son image et nuit à sa réputation en répondant à ce qu'il qualifie donc de mensonge. Le patron de la Special Striking Team leur réclame des dommages de 50 millions de roupies. Toute l'affaire concerne la perquisition que les éléments de la Special Striking Team avaient effectuée au domicile de la belle-mère de Sanjeev Tilakdari le 27 octobre dernier à Rosil. Présence de policiers en uniforme devant son domicile, Sanjeev Tilakdari dépose une precautionary measure. L'avocat a déposé une main courante mercredi au poste de police de Piton. Il affirme avoir appris par l'entremise du chauffeur de son épouse que 4 policiers en uniforme étaient venus s'enquérir de l'emplacement de sa maison. Ils sont repartis sans avoir pris contact avec lui. Mais Sanjeev Tilakdari précise qu'il ne connaît pas les intentions des policiers et qu'il figure sur une hit list officieuse de la Special Striking Team et du gouvernement, d'où la precautionary measure. Contestation du renvoi des élections municipales, le MMM dépose une motion pour que le cas soit traité en urgence en Cour suprême. L'affaire a été appelée en cours ce matin. Le MMM était représenté par Maître Veda Balamoudi. Ce dernier a demandé à ce que l'affaire soit traitée en urgence. Les parties concernées devront déposer les détails le 27 juillet prochain. L'avocat souligne qu'il n'y a pas eu de représentant de la mairie de Vakwa Phoenix en cours. Veda Balamoudi est au micro de notre journaliste Stéphane Douce. La municipalité
sur lequel huissier fin faire bon service, ça veut dire une service de papier, légalement, et je ne gagne papier là, la cour, il reconnaît qu'ils ont gagné papier, mais je finis briller par son absence. Pas fini aucun représentant de la municipalité de Vacua Phoenix. Ça dit, c'est allé dans l'IUM. Deuxième, je fais ressortir à la cour, qui visait considérer sa motion qui devait, parce qu'il nous avait un rédif constitutionnel, et puis j'ai fait dit, le plus bref délai de donner force choc, surtout après ban remords qui ban juge une fait dans un récent jugement de KDSA et de Chen. Cette motion de blâme contre le président du conseil de district de Savannes ce vendredi, c'est un mauvais politique, je ne vais pas me laisser faire, affirme Ravin Jagannath. Le président du conseil de district de Savannes devra affronter une motion de blâme déposée par le conseiller du village de Rivière des Anguilles, Kamal Sor Gajadar. Ce dernier était aussi l'ancien président du conseil de Savannes. Ravin Jagannath soutient qu'il s'agit d'une manœuvre politiquement motivée. Il ajoute qu'il est confiant qu'il n'a rien à se reprocher et qu'il va se battre jusqu'au bout. Ravin Jagannath est au micro de Nivesh Narayanan. Il y a une motion de blâme contre moi demain. On lit à 10h demain. Bon, c'est une motion de blâme. Bon, il n'y a aucun reproche sur mon travail. Mais il faut penser qu'il y a une move un petit peu politique. Voilà, ça m'a qu'à dire où. Il y a une move presque politique. Mais c'est mort. On va le conseiller pas qu'à reproche pour mon travail. Le travail, tu ne finis fait bien. Si j'ai une finie approuve. C'est la nouveauté demain. Mais, mon sort, je tombe tout le temps. Moi, bon, faut toujours confiant parce qu'ils vont faire au travail bien comment vous en faites. On m'a pas dit il y a un petit mouvement politique et ça m'a pas beaucoup attendu dans les conseillers et pas qu'un rapprochement là n'est pas du travail. En Inde, des glissements de terrain et inondations causées par les intenses pluies de mousson ont fait au moins 66 morts, bloquant des touristes dans des zones coupées du monde, ont annoncé mercredi les autorités. Des pluies torrentielles ont emporté des véhicules, démoli des bâtiments et détruit des ponts dans l'état de Himachal Pradesh, la zone la plus touchée selon des images de la télévision indienne. Au moins 33 personnes ont péri depuis samedi dans cet état très populaire en raison de ces stations pittoresques dans l'Himalaya, a déclaré Onkar Sharma, responsable des secours de l'État. Des équipes de secours ont été mobilisées afin de venir en aide à 40 étrangers, dont 14 Russes et 12 Malaisiens, bloqués dans des sites touristiques, tout comme des centaines d'Indiens, a précisé à l'AFP le chef de la police de l'État, Satwant Atwal. Au moins 12 autres personnes ont péri dans l'état voisin de Uttarakhand, dont 9 sous des débris tombés sur leur véhicule sur une autoroute, ont souligné les autorités. Au Soudan, les corps d'au moins 87 personnes qui auraient été tuées le mois dernier par les forces paramilitaires et leurs alliés ont été enterrés dans une fosse commune au Darfour, indiqué l'ONU ce jeudi 13 juillet. Selon des informations crédibles recueillies par le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ces personnes ont été tuées entre le 13 et le 21 juin. L'Égypte accueille ce jeudi 13 juillet une réunion des pays voisins du Soudan, déchirée par une guerre pour le pouvoir entre l'armée et les paramilitaires, pourtant de mettre fin à l'effusion de sang, a annoncé la présidence. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est actuellement au Caire en dépit des tensions suscitées par un vaste projet fluvial sur le Nil. Et voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée. Tout Mauricien réunit loin de ses lanternes dans toute la joie. Même dans la peine, il n'a pas de trace ni couleur, n'a pas de figure. Plutôt qui ça me dit, n'a peine. Top, 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 FM, top, top, top.
la vérité. Top, top.